des Antilles qui vivent dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. Donc nous nous sentons très concernés par ce salon de la gastronomie d'outre-mer et de la francophonie, et c'est une raison pour que la métropole du Grand Paris apporte son soutien total à cette initiative. La seconde et non des moindres, c'est que Babette est une amie, et Babette est une énergie en même temps qu'une amie. D'ailleurs, la preuve, vous êtes tous réunis sous son égide, et quand elle demande quelque chose, on peut difficilement lui refuser. Donc j'ai accepté d'être là, par plaisir, mais aussi pour lui faire plaisir. Et puis il y a une autre raison qui est plus intime et plus personnelle. J'étais pendant 30 ans député et président notamment pendant 10 ans de la commission des affaires économiques qui gérait l'outre-mer. Et je me suis attaché pendant tout ce temps-là à défendre les ultramarins et l'outre-mer. Et notamment, c'est moi qui suis la responsabilité de préserver la défiscalisation dans les départements d'outre-mer, notamment aux Antilles, jusqu'en 2020. Et c'est une de mes plus grandes fiertés parce que vous en avez dans ces départements.